confiance. Parlez-moi de mon histoire, parlons de nos héros de maintenant. Pour savoir où aller, il faut savoir d'où l'on vient. Souvenir fidèle. Je revois la grande avenue, le ciel nu, son soleil cru, l'asphalte chauffé à blanc, nos voix, leurs chiffres, la vérité saquée, saccagée, et ses pas, tous ses faux pas, leurs mots, mon poème, sa soif de liberté, son cri libéré, et puis toi, et puis quoi? Oublier ne serait-il pas leur infliger d'autres morts? Et si on taisait enfin les silences et toutes leurs fausses sciences? Et si on mettait enfin des mots sur ces mots qu'ils ont tus? Qu'on laisse s'exprimer la terre, qu'elle nous livre sa part de vécu, qu'a-t-elle vu? Et même, peut-on mettre des mots sur ça? Ces fosses creusées à la hâte, cette paix simulée, cette vie hachée. Faut-il vraiment souiller ce poème de ce sang, de tout ce sang? J'écarte les crimes, je sépare le bon grain de l'ivraie, je me garde de l'ivresse, de leur amnésie, je n'oublie pas, je me souviens. J'égrène le chapelet des souvenirs et de la vérité, de ceux qui même à genoux ont su rester debout. Les Panthères, Rio, Charbot et là-bas, Jadis, Diaspora, La Flamme, La Femme, Trocadéro, Résistance, Liberté, ah liberté. Bref, parlons de nos martyrs, depuis Oulabou Martine, Rinjambe, de Grégory Nguamitsa Angulubeka, les autres, les récents, QG, une nuit, un 31 août, mes frères, les tiens, pluie de feu, fin, non, gravons chaque nom au fronton de la nation, voyez, l'État souffre d'amnésie sélective alors, tatouons en l'encre de sang chaque lettre de chaque mot, de chaque phrase, de chaque paragraphe, de chaque texte de leurs nobles actions, marquons. La chair de la patrie de leur empreinte indélébile. Écrivons sur les pages de l'éternité, pourquoi les a-t-on précipités? Qui, comment et où sont-ils tombés? Disons aux fils d'ici que même la mort ne saurait les tuer. Et qu'à chaque fois qu'ils, elles, seront cités, on aura guéri l'Alzheimer de notre cité. Et parce que la parole est vie, toi, épelle. Pour toujours les ressusciter, parle et souviens-toi. Et si même l'histoire oublie, toi, sois la mémoire vive. Et si encore le temps têtu tente de les corrompre, momifie-les, gardons-les dans nos cœurs. Au fait, le fruit est mûr, bougeons l'arbre encore. Que se lève demain une nouvelle aurore.
Mesdames et messieurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à notre Trocadéro Live, très chers compatriotes et amis de la liberté. Nous nous retrouvons une fois de plus dans le cadre de notre rencontre hebdomadaire de tous les samedis, suite au fait qu'il y a eu le confinement et que nous avons transporté notre Trocadéro dans le cadre de la résistance et de la contestation de l'élection de 2016. Qui a vu les massacres de nos compatriotes gabonais par le régime dictatorial d'Ali Bongo, enfin disons de feu Ali Bongo, parce qu'apparemment il n'est plus trop dans les rétroviseurs. Et nous allons comme ça tout au long de notre émission vous entretenir par rapport aux faits d'actualité, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce que nous avons préparé pour rester connectés avec l'histoire de notre pays, pour vous dire que nous sommes debout dans le cadre de la contestation, dans le cadre de la revendication noble de la justice et de la paix pour le Gabon. Avant que de continuer, nous allons écouter l'hymne national, ce qui nous réunit autour duquel nous nous reconnaissons comme Gabonais. Voilà, nous allons écouter l'hymne national de notre très cher pays, le Gabon. Auquel tous nous rêvons.
bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurant vigilant, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau. Aussi m'acquitter d'un devoir, rendre à César ce qui est à César. Cet hymne national de notre très cher beau pays, le Gabon, nous a été interprété par le maestral de notre frère Isaac John, sans oublier aussi la chanson en intro de Mémoire d'août qui nous a été interprétée par Nanda en featuring avec Larry Essouma et Tiss Warren. Voilà, c'est des compatriotes gabonais qui se lèvent pour cette belle cause de la liberté, où qu'elle soit, avec leur talent, avec ce qu'ils savent faire de bien et de mieux. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre, disait un homme d'État, Sir Winston Churchill. Et nous allons entamer notre rubrique de ce qui fait l'actu avec notre panéliste John Koza, qui nous a concocté quelque chose à ce sujet. John, c'est à toi. Ton micro, John, s'il te plaît. Dans un premier temps, je voudrais vous signaler que l'actu du jour a pour titre « Ali Bongo gère-t-il encore son usurpation ?» Je pense que ce n'est un secret pour personne. Depuis octobre 2018, la personne qui nous est présentée comme étant Ali Bongo ne fait plus ce qu'elle aimait faire depuis 2009, c'est-à-dire voyager, aller à différentes conférences hors du Gabon, aller à différentes investitures de présidents africains. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Je vais vous présenter une vidéo qui va vous rendre plus explicite mes propos. Je n'ai pas commandé, c'est Dieu qui m'a donné. Je n'ai
Conakry, capitale de Guinée, seconde étape du périple ouest-africain du premier ministre chef de gouvernement. Au palais Mohamed V de Conakry, devant un parterre de chefs d'État africains et d'invités de marque, le président Alpha Condé entame officiellement un nouveau mandat à la tête de la Guinée. Moi, Alpha Condé, président de la République élu conformément à la Constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice. Au regard de l'excellence des rapports bilatéraux entre le Burkina Faso et le Gabon, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a été représenté par le ministre des Affaires étrangères. Le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba, a tenu à ce que le Gabon soit présent. Vous n'êtes pas sans ignorer la nature exceptionnelle des relations qui unissent le Burkina Faso et le Gabon. De cette prestation de serment très solennelle et empreinte d'émotion, il faut retenir que le président Kabore a réitéré donc l'engagement qu'il a pris pendant sa campagne électorale, celle de la réconciliation des fils et des fils du Burkina Faso. C'est une cérémonie d'hommage de la nation ivoirienne à feu Ahmed Bakayoko, premier ministre de la République de Côte d'Ivoire de juillet 2020 jusqu'à sa mort le 10 mars dernier. Un cérémonial plein d'émotions auquel a pris part Rose Christiane Osuka-Raponda en qualité d'envoyée spéciale du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'était en présence du président Alassane Dramane Ouattara et de plusieurs autres personnalités. La consternation était visible à l'esplanade du palais présidentiel. Moment de recueillement, Rose Christiane Osuka-Raponda s'est inclinée devant la dépouille mortelle de celui qui fut également ministre de la Défense et maire de la commune d'Abobo. Réélu à l'issue du scrutin présidentiel du 27 décembre 2020 pour un second quinquennat, le président Fossé Alkone Touadéra a été investi par la Cour constitutionnelle le mardi 30 mars pour accomplir la mission qui lui a été confiée par le peuple centrafricain. Lors d'une cérémonie solennelle à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il a officiellement prêté serment en présence des élus du peuple et des représentants du gouvernement. La cérémonie d'investiture a aussi vu la présence du président burundais Évariste Ndayishimiye, du Nigeria, du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Rwanda, de la France, de la Guinée équatoriale, de la Russie, du Tchad, de l'Angola, de l'Afrique du Sud. Mohamed Bazoum, élu à l'issue du second tour des élections présidentielles de février 2021, est désormais le président de la République du Niger. L'ancien ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation, des Affaires coutumières et religieuses s'est plié au cérémonial de prestation de serment, était présent à cette cérémonie d'investiture. Plusieurs présidents africains. Rose Christiane Osuka-Raponda, chef du gouvernement du Gabon, a représenté le numéro 1 gabonais, Ali Bongo Ondimba, à ce grand événement. Présence de Rose Christiane Osuka-Raponda au Centre international de conférence Mahatma Gandhi atteste de l'excellence des liens bilatéraux, de fraternité et d'amitié qui existent entre le Gabon et le Niger. Ces jours d'investiture pour Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, réélu à la tête du pays le 21 mars dernier. Le palais des congrès de Brazzaville ce vendredi fait salle comble. Rose Christiane Osuka, le premier ministre et chef du gouvernement, représente le président de la République gabonaise à cette cérémonie solennelle. Investi dans ses fonctions pour un nouveau mandat de 5 ans, Denis Sassou Nguesso a ensuite présidé la grande parade militaire organisée au terme de la cérémonie solennelle. Au palais présidentiel, où elle a ensuite été reçue, Rose Christiane Osuka-Raponda a transmis en main propre le message personnel du président de la République, Ali Bongo Ondimba, à son homologue Denis Sassou Nguesso. «
L'onde de choc qui traverse le Tchad depuis le rappel à Dieu de son président, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, touche bon nombre de pays de la sous-région Afrique centrale. Le Gabon exprime sa solidarité face à cette dure épreuve. Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, a chargé le Premier ministre, Madame Rose Christine Osuka-Raponda, de transmettre ses condoléances au président du Conseil militaire de transition, général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby. Le président de la République a demandé de transmettre ses condoléances les plus attristées et d'exprimer toute la compassion du peuple gabonais, du gouvernement gabonais, au peuple tchadien. Voilà, voilà, c'est un sujet de 7 minutes qui est assez édifiant. En tant que Gabonais, nous avons énormément de questions à nous poser. Que se passe-t-il au sommet de l'État gabonais? Pourquoi une personne étant habituée aux voyages, aux cérémonies, aux fêtes à l'extérieur du Gabon, n'y va plus? Quel est le problème? Certains ont évidemment poser la question qui dirige le Gabon. Nous, en tant que Gabonais résistants, la question que nous nous posons est de savoir qui doit diriger le Gabon. Un illustre papa qui nous a laissé récemment nous avait bien signalé ce problème en disant que la question de l'usurpation doit être réglée immédiatement. Le principal usurpateur n'étant plus en état de gérer cette usurpation, il incombe aux autorités, à la communauté internationale, de jeter un regard sur la situation du Gabon, parce que le Gabon, malheureusement, est une cocotte minute qui est prête à exploser. Et nous le répétons, nous n'allons jamais cesser de le répéter, la seule personne capable de diriger le Gabon, c'est la personne que nous avons choisie à l'unanimité, à plus de 65%, cette personne, c'est Jean Ping. Monsieur Bernier, je vous laisse la parole pour diriger les débats. Merci à vous. Ok, merci une fois de plus, John, pour ton brillant exposé. Merci, ça se passe de tout commentaire. Comme tu dis, les images parlent d'elles-mêmes. Encore que monsieur, ou du moins la communication d'Ali Bongo, nous a laissé entendre qu'il avait de l'énergie à revendre. Mais à notre grande surprise, on a l'impression que cette énergie, il a juste donné à Madame Osuka, à son fils Noureddine et son épouse Sylvia Valentin pour continuer à briller dans l'usurpation au sommet de l'État. Donc, voilà que le débat est ouvert. Toutes les personnes qui se sentent dans l'envie de porter leur maudite contribution à cette imposture, une fois de plus, qui paraît pour nous nauséabonde et difficile à admettre pour un pays qui était par le passé respecté et que depuis 2009, sa splendeur de ce qu'elle était avant est en train de tomber en décrépitude chaque jour un peu plus. Voilà, ça mérite que nous puissions, avec les autres, échanger. Je vois ici la main levée de monsieur Hugues Sylvain, mais fermez-toi. À toi la parole, Hugues. Voilà. Merci, bonjour à tous et bonjour encore à mes chers frères et sœurs du Gabon et partout dans le monde qui nous regardent. Bon, alors ce sujet, pour moi, je ne vais plus m'atteler sur est-ce que Ali vit ou pas. Moi, je le dis à chaque fois, pour moi, Ali n'est plus de notre monde depuis le 24 octobre 2018. Il n'y a plus de débat. Maintenant, aux Gabonais qui sont hésitants, qui sont soit ont des symptômes, ils vont attendre longtemps parce que l'efficacité qui est mise par la France, bien sûr, et par les amis qui veulent garder le pouvoir des Bongo se voit à l'œil nu. Et pour aller très vite et pour finir par là, vous voyez une famille qui n'a jamais eu de repère, tout est mensonge jusqu'à ce jour. Vous avez vu que le père lui-même, il paraît que sa mère, c'était éborigène,
le papa, c'était Ondimba. Nous n'avons jamais eu de tombe de ces derniers. Alors, lui-même, il est soi-disant enterré à Franceville. Personne n'a vu son corps lorsqu'il est arrivé. Voilà, Ali est porté disparu, ainsi de suite. Voilà Noureddine qui sort de nulle part. Et voilà l'autre trisomie qui se remet ou autiste, qui veut devenir président. Donc, cette famille a toujours les histoires. Et voilà, dans cette même famille où on distribue 20 millions de francs CFA pendant que nos jeunes frères sont en train de cueillir les noix de palme en disant que c'est le grand frère du président Omar Bongo. Où est le lien et où est le rapport avec un président de l'Assemblée nationale qui va remettre 20 millions à une famille? Tout est fou dans cette famille. Pour moi, je le confirme et j'assume, Ali Bongo est mort jusqu'à la preuve du contraire. Merci. Merci Sylvain. On va passer sans transition à notre frère Serge Guément, alias Eke Bob le Fou. Ton impression à chaud. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent au Trocadéro en live. Bonjour à tous ceux qui viennent de l'extérieur, qui sont en train de constater ce que le peuple gabonais est en train de vivre. Nous vivrons vraiment ce qui se passe au Gabon, ça n'a pas de mots. Un bien mal acquis ne profite jamais. Un bien mal acquis ne profite jamais. C'est ce que nous constatons au Gabon. Tout simplement, voici un usurpateur qui a volé la souveraineté d'un pays entier, qui a volé le vote des citoyens gabonais. Il croyait qu'en volant et en tuant les Gabonais, la tâche allait être facile. Eh bien non, c'est ce que nous constatons. Ce qui est malheureux, ce que nous déplorons, c'est que dans son vol, il vient pénaliser le peuple gabonais entier. Le peuple gabonais entier. Encore, toujours est-il que quand on fait une mauvaise action soi-même, lorsqu'on est un voleur, on va braquer une banque, si on nous attrape ou si on est emprisonné, on peut nous-mêmes récolter ce que nous avons semé, ce que nous avons fait. Là, c'est un groupuscule de personnes qui volent un État et qui sont en train de faire souffrir une nation entière. Voilà pourquoi vous étonnez de ce qui vous arrive, tous ces morts, tous ces AVC. Et ensuite, quand ils profitent dans ce vol, dans cette gabégie, ils embarquent tout un peuple. On voit qu'ils détournent l'argent du contribuable, ils détournent l'argent du pays. La dette du Gabon en 2009, quand Ali Bongo a volé le pouvoir déjà en 2009, elle était à près de 1 100 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 6 500 milliards. Vous imaginez ce qu'ils ont fait de ce pays? Non seulement ils ont vidé les caisses, ils ont endetté le pays est en train de mourir. Quand je dis mourir, ce n'est pas seulement à l'image. Les personnes, les compatriotes sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas d'eau dans certains hôpitaux, parce qu'il n'y a pas d'oxygène, parce que le pays souffre. Parce que les routes ne sont pas bien, il y a des accidents. Le pays va mal à tous les niveaux. Rien ne va. Mais Serge, aujourd'hui, oui, excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que tout le temps nous faisons ce que nous faisons, que ce soit de manière virtuelle ou quand nous étions encore au Trocadéro physique côté de Paris, est-ce que ce n'est pas des coups de boutoir dans l'air? Non, mais j'en discutais avant-hier avec une compatriote qui m'a dit, n'ayez pas l'impression que vous ne faites rien. Si tout le monde s'était tu, si le peuple entier s'était tu en disant, on va encore faire comment? On serait dans le « on va encore faire comment ». Mais on sait qu'aujourd'hui, ces personnes-là, ces ministres, et Ali Bongo même d'ailleurs avec son AVC, l'ont eu parce que nous avons crié, parce que nous avons manifesté, parce que nous avons agi, parce que nous les avons pourchassés partout. Donc, c'était une première étape, la prise de conscience du peuple gabonais. On a pris conscience qu'on ne devait plus subir ces gens-là. Et c'est un processus. On va y arriver. On va y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Tous les Gabonais, à tous les niveaux, sont conscients que ça ne va pas et il faut que ça change. Nous, quand on a élu un président de la République en 2016, quand on a élu Jean Ping, parce qu'on est allé au vote, on a voté et on a voulu que celui qui gagne une élection puisse faire son programme et puisse gérer. C'est pour ça que nous nous battons encore pour cette souveraineté. Comme ça, on devait faire pas le bilan d'un voleur, pas le bilan d'un assassin, mais on devait faire le bilan d'un président qui a été élu et on devait le juger sur ça. Là, on a des bandits, des voleurs. Voilà, c'est tout.
Et le pays ne va pas avancer comme ça. Merci Serge, merci pour ta contribution. Nous sommes toujours dans merci Libérer la parole. Est-ce que quelqu'un voudrait encore intervenir, nos panélistes, ou nous allons passer à la prochaine rubrique? Voilà, apparemment, je pense que tout a été dit. Nous allons passer à voir de manière virtuelle nos commentaires avec Nodi. Nodi, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Bonjour. Quelles sont les réactions? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Afrique, liberté, la liberté dit. Donc, depuis le 24 octobre 2018, le dictateur Ali Bongo n'a plus fait un seul déplacement officiel en dehors du Gabon. Mais à chaque fois, il s'est fait représenter par un de ses ministres. À mon avis, Ali Bongo est mort ou en incapacité totale de diriger le Gabon. Mais c'est la France-Afrique qui prend le relais, comme on le voit aujourd'hui au Tchad, où le président français Emmanuel Macron et son ministre Jean-Yves Le Drian vont installer le fils Idriss Déby au pouvoir alors que la constitution du Tchad ne le permet pas. Marie Gomis dit encore du n'importe quoi, comme il n'y a plus d'hologramme, il est représenté, arrêtez avec ça. Donc, tout le monde parle en son nom à l'extérieur, mais lui-même a la bouche fermée depuis octobre 2018. Paul Ernaud dit « Ali Bongo est mort ». Régis Ignace, « Ali Bongo est mort ». Donc voilà. Merci Nodi. Mais apparemment, c'est quand même compliqué et difficile d'admettre qu'on puisse dire que quelqu'un est mort, malgré tout le cinéma, la mise en scène des make-up et des masques en silicone qu'on nous vend. Ça, c'est quand même assez délicat et difficile que même jusqu'aujourd'hui au Gabon, après quoi, 3 ans plus tard de son AVC, qu'on est encore à douter de son existence. Je ne sais pas trop si on peut relancer la question, peut-être John Koza ou Sylvain, mais toi, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut amener les Gabonais ou le peuple gabonais, que ce soit celui de l'intérieur ou de l'extérieur, à véritablement mettre à nu cette haute trahison au sommet de l'État? Koza. Après, C'est assez clair et net. Hein. Je me souviens qu'en 2016, nous étions tous unis, c'est-à-dire opposants et le président Jinping. Qu'est-ce qui s'est passé depuis octobre 2018? On a l'impression que, à tort ou à raison, depuis qu'Ali Bongo est tombé, beaucoup de nos amis nous ont quittés. Pourquoi? On n'a jamais eu de réponse. Et on remarque également que beaucoup ont du mal à parler de la vraie situation d'Ali Bongo, sauf bien évidemment M. Ping et sa coalition. Je me rappelle d'un discours de Ping lorsqu'il était à Lambaréné. Pour ceux qui croient encore au fait que le roi va revenir, Amana. Effectivement. Le roi ne reviendra plus. Ali Bongo, c'est fini. Le principal opposant, comme le disent les Européens, a dit des choses. Mais les opposants, sans vouloir les offenser de seconde zone, gambergent par rapport à ce type de propos. On se demande pourquoi. Nous sommes tous des Gabonais. Nous n'allons pas verser dans la xénophobie parce que ce n'est pas le but de notre live. Mais on a l'impression, et ce n'est pas mauvais de le reconnaître, le Gabon est une terre d'exploitation où les étrangers font la pluie et le beau temps. Quand je dis des étrangers, je parle de ceux qui sont au sommet de l'État. On n'a pas besoin de dire leur nom, ils se reconnaîtront. Et si certains se disent que le Gabon va continuer à être une terre d'exploitation et nous, les Gabonais, allons continuer à être des esclaves, je vous le répète, la cocotte minute qui est en train de bouillir risque d'exploser. On ne devient pas violent, on ne naît pas violent, on devient violent. Donc, pour revenir à ta question, Bernie, ben, il faudrait que les Gabonais, ceux à qui on donne le droit de parole dans certains médias gabonais, qui disent la vérité. Monsieur Ping a dit ce qu'il avait à dire, sa coalition également, les Gabonais, pour la plupart du temps, le disent, mais il faudrait qu'on revienne à l'unité de l'opposition véritable pour qu'on puisse être une force de proposition par rapport, bien évidemment, aux forces extérieures qui veulent faire en sorte que les Bongos continuent à perdurer au pouvoir. Merci. Sylvain, puisque je t'avais indexé, est-ce que ce qui se profile au Tchad en ce moment est quelque chose aussi qui est annonciateur de
ce que l'on pourrait voir à l'horizon au Gabon avec Nouredine et autres. Merci encore, Bernie. Franchement, je vais d'abord répondre à la première question. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que le Gabonais doit faire? Je pense que pour ceux qui se taisent depuis que Ali Bongo est mort, il y a quand même des signes. Comme je dis souvent aux gens, Ping ne peut pas parler comme moi. Ping est un élu. Donc, il a ce rôle-là d'apaiser les gens. Il ne peut pas sortir les choses comme Bernie, comme John Kosa et comme Fanetoua. Moi, je pense que je ne reviens plus là-dessus. Nous avons des preuves qu'Ali est mort. Ali vivant, le petit qui avait détourné son argent, dont la cruche ne serait pas en prison, il serait mort. Ali est l'un des Gabonais d'adoption, bien sûr, les plus brutaux que je n'avais jamais connus. Tu ne peux pas faire un coup Ali et être à la prison centrale si Ali était vivant. Ali est mort, ils le savent. Il y en a qui vont vous dire, mais oui, le président Jean-Ping, parce qu'il a sa sœur. Donc, il y a par moments où les Gabonais reconnaissent, en fait, M. Jean-Ping a eu les enfants avec Ali, il fait certaines choses. Mais si celui qui a eu les enfants avec la soi-disant sœur d'Ali vient vous dire, ce n'est pas celui qu'on nous présente, vous ne croyez pas pourquoi? Il est de la famille. Donc, ça, c'est une situation. Et une autre, c'est celle du Tchad. Ça ne peut pas arriver au Gabon. Ça ne peut pas arriver au Gabon tout simplement. Pourquoi? Parce que Idriss a fait le rétro-pédalage quand il ne fallait pas. Les Bongo ne lâchent pas. Ils sont là sous la botte des Français. Ce qui fait que le coup d'État ne peut pas arriver. Le seul coup d'État qui pourrait arriver, ce sont nos soldats. Parce que ce qui se passe au Gabon, les tueries, ce sont les mercenaires achetés par la famille Bongo et alliés. Mais le soldat gabonais ne peut pas tirer sur les siens. Je vous dis, ça ne peut pas arriver au Gabon que un cousin, je ne sais pas, à Nouredine n'a pas de cousin au Gabon, ou Ali Bongo va aller tirer sur Ali Bongo parce qu'il avait massacré les Gabonais. Parce que Idriss Déby, pour moi, n'a pas été touché au front, donc à un lieu de combat. Il a été touché au front. Il a reçu une balle dans la tête. Ils veulent dire qu'il a été touché au front parce que, pour moi, il voulait se rendre chez sa grande sœur ou cousine qu'elle, il avait tué parce que son fils était candidat à sa succession. Donc, il a pris ses balles, ce n'était pas lors d'un combat. Et pourquoi le combat s'arrête brutalement? On vient te dire qu'Idriss Déby a eu un gros trou de plomb ou de balle et il meurt le lendemain. Ça veut dire que Idriss Déby a vécu 24 heures sans cœur. Il faut aller raconter ces choses aux gens. Et lorsque vous voyez, certaines personnes parlent de la constitution tchadienne, je vais m'arrêter là. Mais on repousse du revers de la main quelque chose qu'on regarde. Macron et compagnie n'ont même pas regardé ça. Ils sont allés faire ce que Nicolas Sarkozy a eu à faire au Gabon lors de la mort de Bongo Ondimba, notre premier dictateur. Donc, ça ne peut pas arriver au Gabon parce que là, nous commençons à voir les achats de conscience. L'argent est en train de finir. Je pense que d'ici là, ça serait une autre histoire pourvu que le Gabonais soit conscient de la libération de son pays. Merci encore. Merci, monsieur Mefalmetoua. Mais apparemment, comme je dirais tantôt aussi, c'est que quand j'ai pris la parallèle avec le Tchad, c'est parce qu'on a Nouredine. Et aujourd'hui, on voit que tout concourt à ce qu'on puisse nous présenter à Nouredine comme le prochain Jésus au Gabon. La preuve, on a même des artistes qui l'appellent déjà Ya Nouredine, pour ne pas dire Ya Ali, et que la Constitution... Voilà, c'est un tour de passe-passe dont ils auront à se passer. Bref, je veux saluer l'arrivée ici de notre très cher aîné Paul-Éric. J'espère que, avant que de chuter dans la prochaine rubrique, qui est celle de Ghislain avec nos prisonniers politiques, est-ce que Paul-Éric, tu as une contribution? Merci. Oui, bonjour à tous. J'ai entendu tout ce qui a été dit et je souscris pleinement et je n'ai rien à ajouter. Simplement de dire que la France, le Maroc et les cénacles occultes croient que le peuple gabonais est dupe, mais on comprend votre petit jeu. Ali Bongo est bel et bien mort. Et il y a la loi du silence dans les cénacles occultes. Les gens ne doivent pas révéler la vérité, mais on sait qu'Ali Bongo n'est plus. D'ailleurs, Ali Bongo n'est plus apte à la fonction.
fonction usurpée. Donc, rien que par ce fait-là, il devrait déjà dégager. Il n'est plus apte à la fonction. Mais il nous fait quoi? Ma foi, ils seront tous jugés, tous ces menteurs-là seront jugés par le peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sans transition, nous allons passer à Ghislain avec nos prisonniers politiques. On n'oublie pas, parce que 2016, nous savons encore que nous avons des compatriotes qui croupissent dans les geôles nauséabondes du pouvoir dictatorial des Bongos Valentins. Merci, Ghislain. Au Gabon, nous avons des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu recours à la violence et qui ne l'ont même pas prôné, mais qui ont des convictions. Nous n'oublions pas Bertrand Zibi à Bégué, arrêté le 1er septembre 2016. Nous n'oublions pas Barack Obama, arrêté le 21 janvier 2019. Nous n'oublions pas Consti Mesui Ondo, arrêté le 12 août 2020. Nous n'oublions pas Gérald Agaïa, arrêté le 13 août 2020. Nous n'oublions pas Anatole Nang Mesui, arrêté le 16 août 2020. Nous n'oublions pas Merlin Ella, arrêté le 18 août 2020. Nous n'oublions pas Jean Bosco Bunguma Boulanga, arrêté le 20 août 2020. Nous n'oublions pas Crépin Dieke, de nouveau arrêté le 14 février 2021. Une pensée également pour tous les autres prisonniers dont le seul crime est l'opposition à la dictature au Gabon. Merci. Merci, Ghislain, pour ta présentation. Une patrie qui se respecte a un devoir de mémoire et de vérité envers ses citoyens. Et pour cela, nous allons, en termes de vérité et de mémoire, nous allons passer le discours de notre très cher président élu, jusqu'à preuve du contraire, Son Excellence Jean-Ping Okoka. Merci, Kosa, de nous passer le discours qu'on a choisi de la semaine. Pour dire que je suis chinois et que je ne pourrais donc défendre les intérêts de l'Occident. D'abord, le président du Gabon n'a pas vocation à défendre les intérêts étrangers, mais à les protéger. Et j'avoue, avec la tête que j'ai et le nom que je porte, j'aurais bien du mal à dissimuler les origines chinoises de l'un de mes parents, mon père en l'occurrence. Si, bien sûr, j'en avais l'intention, ce qui n'est pas le cas, qu'il se rassure. C'est comme si Barack Obama ou Mme Ellen Johnson Sirleaf du Libéria devaient dissimuler leur métissage. Mais je trouve quand même un peu fort que ce soit la galaxie émergente, majoritairement constituée de personnes aux origines pour le moins douteuses, qui ont tout accaparé et ont donné le Gabon à leurs amis asiatiques, béninois, somaliens et autres chebabs, et qui ont bénéficié de l'agence de la Chine comme jamais auparavant pour réaliser le premier projet en cours, qui osent me faire à moi ce procès d'intention assimilable à un délit de faciès. C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. C'est pourtant leur fonds de commerce, notamment en France et aux États-Unis. Je voudrais dire ici que j'assume pleinement mon métissage et j'aimerais que tout le monde en fasse autant. Que tout le monde en fasse autant. Je suis moi gabonais. Je voudrais préciser le contexte de mon engagement pour dire que ce combat n'est donc pas pour moi, comme le pensent certains, une occasion de vengeance contre un système qui m'a ôté deux êtres chers, mais deux frères.
Pierre-Louis Agogion-Kawé et Joseph Renjambe Issani, dont je salue fraternellement les mémoires ici. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour rendre hommage, un hommage mérité à Madame Veuve Agogion-Kawé, ici présente. Le combat pour la libération du Gabon ne saurait être une affaire de vengeance, ni pour moi, ni pour personne. Je voudrais que les uns et les autres comprennent cela et sachent que la noblesse de notre lutte exige que nous prenions de la hauteur et que l'on se libère de tout sentiment de haine ou de vengeance. La haine et la vengeance ne construisent rien. Les historiens, les vrais et non ceux de la cour du roi sont là pour reconnaître les valeureux enfants de ce pays. Mes chers compatriotes, notre existence en tant que peuple souverain, reconnu par la communauté internationale, s'identifie à un espace géographique donné, le Gabon, dont les habitants ont en partage plusieurs valeurs, parmi lesquelles les trois principales qui forment la devise de notre pays: union, travail, justice. Ces valeurs, centre de notre vivre ensemble, nous imposent des devoirs, dont celui de réagir lorsque la trajectoire de notre marche vers le progrès et la cohésion nationale est menacée. Réagir, réagir. Se soustraire à cette obligation, c'est entonner le chant de la dérobade en quittant la scène de la vie sur la pointe des pieds. En revanche, lutter contre l'imposture, l'arbitraire, la gabégie, la malgouvernance, la dictature, l'amateurisme et le manque de vision pour la projection de notre pays vers les yeux meilleurs, c'est mener le vrai combat. Merci, merci beaucoup. Avant que de passer à la prochaine rubrique, qui est celle de l'image du jour, de manière succincte, avec les panélistes, j'aimerais, parce que M. Jean-Pierre nous a encore fait un discours qui nous interpelle, parce qu'on ne construit rien sur la vengeance, la haine et la méchanceté et la colère. Est-ce que deux ou trois personnes auraient à dire quelque chose par rapport à ce discours, avant que nous ne passions à l'image du jour? S'il vous plaît, très chers panélistes. Oui, Serge, sur le discours de M. Jean-Ping, de manière succincte. Écoutez, il est président de la République. Il est président de la République. Et quand on est président de la République à plus de 65%, on n'est pas président de la République que pour les 65%. On est président de la République pour les 100% des Gabonais. Et donc, le discours du président Jean-Ping a été poignant parce qu'il veut réconcilier les Gabonais. Parce que nous savons bien que même si aujourd'hui on s'oppose à ce qu'on appelle les émergents, le camp d'en face, le jour où ces personnes qui veulent changer le pays seront à même de diriger le pays, on ne va pas se retrouver à se tuer. Parce que nous savons très bien que même si, par exemple, je prends mon exemple, je m'appelle Bob, je suis contre le régime, j'ai toujours un cousin, un neveu ou quelqu'un qui travaille avec ce régime-là. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je sors, je tue tout le monde? Ce qu'il faut, c'est la paix du Gabon. On veut la paix du pays. Merci, Bob. Merci, Bob. Sylvain, est-ce que tu peux renchérir, s'il te plaît? Ce que nous disons, ce n'est pas pour prendre la place des émergents. Oui, encore une fois, je pense que là, nous sommes en campagne ou pré-campagne présidentielle. Tout à fait. Nous sommes en pré-campagne. D'accord. Va revoir ce monsieur. Je parle de la personne de Jean-Ping. Ce n'est pas la responsabilité dont il a été élu. Va revoir ce monsieur au plus profond de lui par rapport à ce qui s'est passé dans son QG.
si le même discours y est au plus profond de lui. En tant que président, maintenant, il va incarner. Mais ping, après l'élection, il a fait des sorties à plusieurs reprises. Il ne pardonnera jamais ce qui s'est passé à son domicile. Alors, juste une petite parenthèse. Voilà encore, je reviens sur les 20 millions que j'ai vus aujourd'hui. Mais mon ami Antoine, il paraît que j'ai vu un acte là, il était retraité, il a travaillé. Il a pillé le Gabon, même pendant la mort, il pille le Gabon. J'ai vu là, ça c'est ce qu'on a montré, 20 millions de francs, c'est pas. Je ne pourrai jamais pardonner. Comme le dit Serge Christian, donc Bob, moi aussi j'ai les frères de sang là-bas, mais moi je me suis déjà engagé. Une fois au Gabon, c'est la justice seule qui va me retenir. Je vais faire ce que j'ai à faire parce que depuis que je me suis engagé, ce ne sont pas nos adversaires, ce sont nos ennemis. C'est la différence que nous devons faire. Ils ont tué, ils continuent de le faire tant qu'ils ont l'occasion. S'ils ont l'occasion de me prendre chez moi maintenant, ils le feront. Donc, nous sommes des ennemis. Il n'y a pas de pardon, sauf Dieu qui pourra nous arrêter. Et vraiment, s'il y a la loi au Gabon un jour, nous allons les condamner un à un. Et comme ça, on saura qu'il y a la loi et je serai sûr qu'ils sont enfermés. Mais pendant ce temps, si j'ai un sabre à prendre, je ne vais pas hésiter, même pas une seconde. Merci. OK, Sylvain, je suis d'accord, Sylvain. Mais comme on dit tantôt, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de figure dans le monde. Voilà, on dit, on ne va pas réinventer la roue. On a eu le Rwanda, on a eu beaucoup de pays où il y a eu des crimes génocidaires entre frères et qu'ils ont fini par la suite à se réconcilier et se pardonner parce que c'est le propre des hommes. On n'en fera peut-être pas un débat de manière élargie parce que le temps qui nous est imparti, c'est tellement sa fin. Si tu me permets, juste ajouter que tu vois la loi du poteau Orlando qu'on avait. Mais la France a repris cette loi-là ici, même en France, avec les djihadistes. Ils les éliminent parce qu'il n'y a pas de poteau. Les condamnations à mort, c'est ça, il faut exécuter tout de suite. Donc, on peut le faire au Gabon et on doit le faire. Oui, mais je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on parlera de responsabilité. Même demain, après-demain, à la réalité, il y aura des responsabilités de ceux-là qui ont commis les crimes au QG de M. le président Jinping et autres. La preuve, avec l'affaire de M. Sankara, on a exhumé. Donc, il y a une possibilité qu'on exhume l'histoire. Ça, c'est de toute évidence. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait un dernier mot où on peut passer à l'image du jour, bien avant que de fermer, libérer la parole du passage du président Jinping? Apparemment, il n'y a plus personne. Nous allons passer à la prochaine rubrique, qui est celle de l'image du jour que nous avons choisie, la CITRAG, et nous allons la commenter ensemble. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons l'image du jour qui se passe de tout commentaire. C'est le réseau ferroviaire de notre très cher pays, qui n'a qu'un seul réseau de toute façon. C'est une ligne verticale qui va d'un point à un autre, de Libreville, s'arrêtant à Franceville. Et voilà ce qui s'y passe, même si des milliards ont été engloutis transportant le manganèse, l'uranium, le fer et que sais-je encore des richesses de ce pays, qu'engorge ce pays, qui est le bois. Voilà le réseau qu'on nous sert, qu'il ait été saboté ou pas, mais c'est un réseau qui n'est même pas digne d'être montré ici, même quand on regarde les éléments. Voilà, donc en trois mots, je vais comme ça prendre les personnes. Vous allez nous donner votre impression juste en trois mots de l'image du jour. Je vais commencer par Koza. John Koza. Souffrance, souffrance, souffrance. Nodi. Éléphant contre pillage. Nancy, s'il te plaît. Manque d'entretien alarmant. Hugues, Sylvain. Tommy Coy. Hugues, Sylvain, mes fans, ton micro, il est fermé. Ton micro est fermé, ouvre le micro. Oui, Plus de vol. Plus de vol. Plus de vol ou plus de vol? Le vol s'arrête lorsque ça se casse comme ça. Tout à fait. Serge? Déplorable. Gislain? Train, entretien, catastrophique. Paul-Éric? Pitoyable, tragique.
Voilà, moi je vais terminer avec le pays des rails. Ce n'est qu'à l'image du pays avec des usurpateurs à la tête de l'État. Nous allons transiter avec quelques commentaires, Nodi, s'il te plaît. Donc, Afrique Liberté, la liberté dit, à mon avis, les citoyens présents sur ce live essaient d'informer les citoyens de leur pays, le Gabon, sur ce qui se passe réellement. C'est une bonne chose et non une distraction. Marie Gomis dit, catastrophe pitoyable. C'est la fin du pouvoir. Merci, Nodi. Avant que de vous donner le mot de la fin, parce que là, nous acheminons malheureusement vers la fin, comme toutes les bonnes choses ont aussi une fin. Et nous allons terminer avec Rodzeng, où est le dos, featuring avec Krista Killer. Et merci encore d'avoir été si nombreux, partagez le live. Comme l'a si bien dit l'un des internautes, nous sommes là pour faire un éveil de conscience. Nous sommes là parce que nous pensons que nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe au Gabon. Fussions-nous un petit nombre. Nous savons que les révolutions, à la base, c'est d'abord une personne, deux, trois, quatre, cinq. Et je veux rendre un vivant hommage à Maître Méré qui nous a quittés de corps, mais qui reste d'esprit avec nous, parce que ce combat continue de par ses idées, de par sa participation au milieu de ce que nous avons été. Et par la même occasion, la première semaine de mai, il est question que nous ayons une messe de souvenir du côté de Paris. On va communiquer davantage sur cet événement. Vraiment, je vous dis merci une fois de plus. Pour le Gabon et pour la patrie, nous serons debout. Mémoire, patrie, vérité. Passez un bon week-end chez vous. C'était notre Trocadéro en live. On vous laisse avec Rod Zeng et Krista Killer. Merci. Vacations. Papa, sommes le gain, sommes ça. Papa, sommes le gain. Papa, sommes le gain, sommes ça. Papa, sommes le gain, sommes ça. Sommes le gain. Papa, sommes le gain, sommes ça. Le Mbangi, le Nton, le Barème, le Do, le Mbongo, le Mian, le Wari, le Bi, la Maï, le Golo. Les fonctionnaires réclament le lingo. Sans le gain, sinon les panthères gaspillent. Et copain, Bido, oh, UGP, Bido, Mambo, 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 Postban. Donnez-nous le colo. Ce qu'on vous demande est bien net et précis. Y'a plus l'argent, au guichet c'est devenu comme la récitation du récit. C'est pas l'argent là que vous avez mis dans les poches du caleçon jean de Messi. Ou bien ça a disparu par magie hein, dans un petit vaudou d'Akrombessi. Donc tous ces mois qu'on a travaillé, nous voilà maintenant comme des mourants tsuo. De l'état soi-disant salarié, sans salaire tous ces mois durant tsuo. Dites-nous alors comment on va payer le loyer, l'eau et le courant tsuo. Peut-être que le gain qu'on cherche là c'est quand j'aille les grosses lunettes de maman bourron tsuo. A force de gratter la tête, les profs auront bientôt le convoi de paille au benda. Fonctionnaire dans la pauvreté toute l'année que manger le riz au lenga. On te dit bien la panthère grogne et n'est plus le petit chat qui miolenda. On veut que le pays avance vite plus au ralenti comme la tortue Biogemba. Les ministres tout plein les poches mais les fonctionnaires toujours doublés. Les grèves qui se rapprochent, l'année scolaire est toujours troublée. Calcul mental zéro, nos petits frères ne font que redoubler. 99%, mais votre calcul est faux, monsieur, pas comme mon belé. Où est le Mbangi, le Nton, le Barème, le Do, le Mbongo, le Mian, le Wari, le Bi, la Maï, le Golo. Les fonctionnaires réclament le lingo. Sans le gain, sinon les panthères gaspillent. Et copains, Bido, oh, UGP, Bido, Mambo, yo, Postban, Bido, oh, yo, yo, le trésor public est Bido, Mambo, yo. C'est la sécurité privilégiée et la santé minimisée. Tous les cachets de vos stars ont fini à l'hôpital après avoir été sodomisés. Comme une vierge qu'ils ont prise en part tous, l'économie est paralysée. Chez eux la fierté est une tarlouse et elle s'appelle Billy Bizet. Ah.
Ah, y'a déjà eu trop de morts, man. Justification au bord au bord. Les flics ont le permis de port d'armes juste pour blanchir le trafic d'organes. La pièce de 50 résonne mal. Le silence des billets fait son dope, man. Ça c'est encore qu'elle sort en cuisse qu'a fui avec toute la team de Joktan. Campagne à l'américaine et tout ça pour perdre les militaires. Sans salaire prime la PIP des fonctionnaires en gars. C'est l'eau de l'aise, j'ai dit les rembêtes au point que eux-mêmes ils sont gays. Ils jouent les tortionnaires, y'a pas de route quoi. C'est parce que j'ai deux maisons. C'est parce que j'ai deux fonds qu'il y a pas de réseau. Le deux est fini de soi. Faut pas nous fatiguer à vouloir financer la maladie d'un des meçons. Ils nous parlent de canne pendant que les salles de classe ne savent pas si elles vont saigner. Même les go de yoga santé grève. L'éducation nationale a laissé en case et nous n'a saigné. T'achat des consciences à vider les comptes. Les cobanques, tu normènes, mais tu Rwanda. Le Mbongo Avimba, le Kovo Dibemba de Bruno Ben, le Mubamba. Où est le Mbangi, le ton, le barème, le ton, le barème, le ton, le bongo, le miang, le wari, le pil, la maille, le colo, les fonctionnaires réclament le lingo, sans le gain, sinon les panthères gaspillent. Papa somme le gain, somme ça, papa somme le gain, papa somme le gain, somme ça, papa somme le gain, papa somme le gain, papa somme le gain, somme ça, 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 papa